Mais ce qu'il faut retenir de cette entreprise, c'est qu'elle est depuis sa fondation en 1964 par Monsieur Jean-Claude Decaux, elle est assise sur un modèle économique qui est totalement inédit, puisque l'idée à la base, c'était bien de finalement apporter des services urbains gratuits aux citoyens et les faire financer par la publicité. Ça a commencé exactement par l'Abribus, qui est l'objet le plus iconique, qui aujourd'hui est présent dans près de 4000 villes à travers le monde, dans plus de 80 pays. Un certain nombre de services urbains ont été inventés, des sanitaires automatiques. Nous avons également développé des écrans serviciels installés soit dans les abribus ou dans d'autres supports qui permettent d'avoir accès à des infos géolocalisées de quartiers et donc des logiques de services urbains. Dans les années 2000, l'activité des vélos en libre-service a été lancée, d'abord à Vienne, puis à Lyon, et à Paris en 2007 avec l'arrivée et l'installation des Vélib. On est un trait d'union aujourd'hui, si on formule comme ça, entre les villes et les marques, entre les mandants et les marques, pour assurer justement cette idée d'apporter un service financé par la publicité. JC Decaux, c'est un groupe qui présente l'année dernière un chiffre d'affaires de 3,9 milliards d'euros donc pour cette année 2019. Et on notera que 2019 est une année historique pour le groupe, puisque les chiffres et tous nos segments, que ce soit le mobilier urbain, que ce soit notre activité transport ou notre activité affichage, tous ces segments ont connu une croissance en 2019. Aujourd'hui, la digitalisation de JC Decaux, elle passe par deux aspects, deux dimensions. La première, c'est la numérisation des objets, qu'ils soient publicitaires, qu'ils soient d'information. Donc ça, c'est la première dimension. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'apporter, tant pour la communication des villes que pour la communication des marques, des messages pertinents, contextualisés, en temps réel, au public et aux citoyens consommateurs. La digitalisation et cette transformation digitale, ce sont aussi de nouvelles plateformes qui nous permettent de faciliter l'accès aux médias et donc de faciliter la façon dont ce média peut être investi. Et donc, on voit apparaître aujourd'hui le programmatique dans notre métier. Et là encore, c'est une transformation très significative que nous sommes en train de vivre et qui révolutionne la façon à la fois d'investir, comme je le disais, le média, mais surtout de construire de nouvelles logiques audience planning et data planning. Cherchons à faire aujourd'hui, c'est mieux comprendre qui sont les publics, mais sans jamais avoir besoin de descendre dans des logiques d'ultra-personnalisation à l'individu. La première convergence entre l'OH, le DOH et le mobile, c'est une convergence de performance. Si vous regardez ces dernières années, et si on regarde les projections qui sont faites pour les mois futurs et les années futures, les deux médias en plus forte croissance aujourd'hui sont bien évidemment l'Internet, mais en particulier le mobile d'une part, et la communication extérieure et en particulier le digital out of home d'autre part. Et oui, on a une alliance créative entre ces deux médias. Et donc oui, au-delà, j'ai envie de dire, de cette verticalité des contenus qui est évidemment est un point d'appui essentiel, on a une combinaison vertueuse et une convergence vertueuse, presque, j'ai envie de dire, naturelle aujourd'hui entre le mobile et la publicité extérieure. Aujourd'hui, nous sommes un pur player de la communication extérieure et jusqu'à preuve du contraire, nous restons dans cette stratégie-là. Mais rien n'empêche, en restant dans cette ligne stratégique, de créer les bons partenariats, de créer les bonnes convergences et de les stimuler. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui en expérimentant, en testant. Et c'est
des données mobiles aujourd'hui telles qu'elles sont opérées par les opérateurs de data mobile aujourd'hui, qui nous permettent à la fois nous de mieux orienter et de mieux cibler et contextualiser des campagnes, en particulier quand on est en digital out-of-home, et puis bien évidemment de mieux mesurer la contribution de chacun des canaux, mobile d'un côté, out-of-home de l'autre, et la contribution vertueuse des deux, le cas échéant, à l'efficacité publicitaire. Et donc c'est bien tout ce modèle aujourd'hui que nous mettons en place, sur lequel nous testons, nous avançons, nous expérimentons. Et c'est ce qui explique aujourd'hui ce rapprochement qui nous paraissait logique et naturel avec la Mobile Marketing Association en France, parce qu'on voit bien que on est rentré dans ce qu'on a qualifié nous dans notre projet chez JC Deco, cette logique du Two Screen Future, qui est vraiment cette convergence virtueuse entre le mobile et l'out-of-home.